sur la ligne de départ. Donc, l'ensemble des coureurs, minime, cadet, toi aussi, on vous aurait le temps. À la mémoire d'Olivier Tournel, décédé cette semaine, non, la semaine dernière. Voilà. On y va. Merci. Je vous donne le départ. Hein? Donc allez, si vous avez une ultime reconnaissance à faire. Les rouges là-bas, les noirs là-bas. Que les rouges devant. Les noirs sont là. Il est noir, j'ai vu. Les rouges passent la ligne, les noirs restent avant la ligne. Roublez. Il y en a fait partir sur la ligne droite de l'autre côté, donc on est tranquille. Roulez. 15 secondes. Il y en a un qui est là-bas, là. 15 secondes. Allez. 10. Comment tu veux? 5, 4, 3, 2, 1, partez. Thank you.
soit vraiment hyper intérieur, soit vraiment large. Et parce que si tu passes au milieu, t'es mort. Si tu passes... C'est Cabrera là, hein, qui va passer le relais à Burkello. Eux ils sont en tête chez les vétérans. Amassa pour le dernier coup. Voilà Hugues Le Dossard 2. Il passe le relais à Massa qui va assurer le dernier tour. Piano qui va passer le relais à Engoulevent pour le dernier. Allez Martial, à nous. Voilà. Simon, oh, il est pas loin. Voilà, ça c'est le 14. La quatrième équipe. Voilà, le 3, c'est Rosé qui va passer le relais à Simon. Et voilà la tête. Ça c'est le 15, Patrick Bousset, qui en termine. Hein, voilà, on s'arrête hein, les gars, on s'arrête. Hein. Et la deuxième équipe qui en termine avec Engoulevent, le 1. Le 2 et le 1. Je ne vais pas vous casser la gueule maintenant. Ouais les gars. Voilà, ça y est, il est passé. Ouais. Alors, ça fait 11, 16 et 14. Et Simon Rosé, voilà. Ils sont, voilà, terminés pour Frédéric Sidia. Il aurait pu dire oui, il aurait pu dire oui. Je demande de rendre les dossards, s'il vous plaît. Dans quelques instants, vous êtes tous cordialement invités à la traditionnelle remise des récompenses qui se déroulera dans la salle d'honneur du Vélodrome.
une fois que les classements seront faits, une traditionnelle pour de l'amitié qui clôture comme chaque année la saison de cyclocross sur la Côte d'Azur. Nous avons terminé cette saison avec cette journée, ce souvenir Georges et Claude Bertolino et Serge Capi par de belles courses tout au long de la journée. Ce matin, les écoles de cyclisme, l'espoir et les vétérans. Les courses sont déroulées dans les meilleures conditions, comme vous avez pu le à la remise des trophées Côte d'Azur pour cette saison, trophée individuel et trophée par équipe.